Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs de la commission spéciale, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui à nouveau un texte important pour refonder les relations entre l'administration et les usagers. Un texte qui peut être mis en perspective avec le discours du président de la République au Congrès et avec vos annonces du début du mois, monsieur le ministre, sur la réforme de vos services. Votre gouvernement souhaite faire du retour de la confiance un axe majeur de son action. Il y réussit assez bien pour nos concitoyens, pour nos entreprises, pour les investisseurs qui ont retrouvé confiance dans l'économie française. Il y réussit moins avec les élus locaux et avec les collectivités où la distance est malheureusement encore la règle, même si je connais, monsieur le ministre, votre souci des territoires. Ce texte participe du choc de confiance que vous voulez créer à tous les niveaux de la société. Son importance tient avant tout à l'ambition d'un véritable changement de culture au sein de l'administration. Cela fait des années que nous essayons d'instaurer une culture de la confiance entre les administrations, les citoyens et les entreprises. Cela fait des années que nous cherchons à créer une administration plus responsable, plus ouverte, plus diligente et respectueuse des intérêts des forces vives de la nation. Sans confiance, il ne peut y avoir ni sécurité juridique, ni croissance économique, et surtout pas d'unité nationale. Nous déplorons ainsi l'échec de la commission mixte paritaire, mais les désaccords étaient trop profonds. Pourtant, la commission spéciale du Sénat, présidée par Jean-François Husson, avait été à l'initiative de nombreux amendements pragmatiques, de clarification, de précision, ou tout simplement de suppression des dispositions les moins pertinentes. Elle avait également permis des évolutions substantielles, comme l'extension du bénéfice du droit à l'erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Nous avions néanmoins regretté en première lecture que cette volonté d'efficacité et de bon sens ait été poussée un peu loin sur certaines parties du texte. De même, la chasse légitime de notre commission à l'incompétence négative avait conduit à vider de leur substance plusieurs dispositions intéressantes du texte issu de l'Assemblée nationale. Ces changements ont paru trop importants à nos collègues députés pour être pris en compte. Néanmoins, reconnaissons, monsieur le ministre, que tout n'est pas à jeter dans le texte du Sénat, qui a beaucoup travaillé et de façon constructive. Sur le droit à l'erreur des collectivités territoriales, nous espérons des réponses plus étoffées que la position de principe selon laquelle celles-ci ne sont pas des usagers. Certes, mais les petites communes se trouvent souvent dans des situations comparables à celles d'usagers fragiles face à la complexité des normes et des procédures. Vous nous proposez dans la réforme constitutionnelle un droit à la différenciation des collectivités. Vous nous avez annoncé, monsieur le ministre, une déconcentration de proximité de la part de l'administration fiscale. Allons au bout de la logique et, je vous le propose, admettons, sinon un droit à l'erreur des collectivités, du moins une meilleure articulation entre la décentralisation et la déconcentration, dont les rythmes différents déboussolent parfois les élus et les usagers. Enfin, je voudrais conclure en rappelant les responsabilités qui pèsent sur l'administration dans la mise en œuvre de ce texte. Il appelle en effet de nombreuses expérimentations, de nombreuses habilitations, de nombreux décrets d'application et des exigences d'évaluation. En un mot, une grande responsabilité pèse sur le gouvernement et les administrations pour faire de ce texte une réussite concrète et tangible. L'adoption de ce texte, en un mot, ne doit pas être une fin, mais le début d'une nouvelle logique pour l'administration. Celle-ci sera largement responsable de son échec ou de son succès. Alors que vous commencez la restructuration de vos services, c'est autour de cette nouvelle logique de conseil et d'accompagnement que les équipes et les pratiques doivent être rénovées. En fin de compte, ce texte n'est qu'un début. L'administration devra mériter, en se réformant, la confiance que le législateur et l'ensemble des Français placeront en elle pour simplifier et améliorer leur quotidien. Je vous remercie.